À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Qui a inventé les jeux vidéo? C'est Ralph Baer. En travaillant sur des radars militaires, cet ingénieur a eu l'idée géniale d'utiliser cette technologie pour jouer. En 1972, il sort la première console de jeux vidéo. Elle s'appelle l'Odyssée et contient un jeu de tennis hyper simple. Le jeu vidéo est né. Très vite, l'entreprise Atari sent la bonne affaire et copie l'idée du jeu de tennis avec le jeu Pong, le premier succès commercial. Que sont devenues ces consoles de jeux? Elles ne sont plus vendues. En 1983, Nintendo, une entreprise japonaise qui ne produisait auparavant que des cartes à jouer, lance sa console. Cette console, la NES, écrase toute la concurrence au Japon puis dans le monde. Quelques années après, Sega se lance aussi avec succès. Durant une dizaine d'années, Mario et Sonic se battent pour ravir le cœur des joueurs. Mais c'est sans compter l'arrivée de plus gros concurrents. Sony et sa PlayStation ont un succès fou en 1994. La 3D arrive dans les jeux vidéo, ainsi que des aventures plus adultes et parfois plus sombres. Car les joueurs ont grandi. Ils ont plus d'argent à consacrer aux jeux vidéo. Cela intéresse alors une grande marque de logiciels, Microsoft, qui lance sa console, la Xbox, en 2001. Aujourd'hui, les joueurs ont en moyenne 35 ans et c'est l'un des premiers loisirs en France. Le jeu vidéo est partout, sur console et ordinateur évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux, tablettes et téléphones. En 2015, sort un casque de réalité virtuelle qui plonge le joueur dans l'univers du jeu, peut-être la prochaine évolution du jeu vidéo. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.